C'est la tempête qui nous accueille dans ce nouvel épisode de Dawn of Man. C'est Alex au serveur, j'espère que vous allez bien. Au moins aussi bien que mes villageois qui sont plutôt contents d'avoir un beau village qui s'agrandit bien. Même si on galère au niveau de l'agriculture. Hein ? Faudrait qu'on invente le tracteur comme dans un Anno 1800. Très bon let's play que je vous invite aussi à aller voir. Alors, finissez-moi ça aussi parce que si on se refait attaquer, ça va être un petit peu relou. D'ailleurs, regarde. Alors, ok. Je mets mes défenses. Oui, il va en falloir des ressources, mais bon. C'est comme ça, il faut bosser. Ah, bientôt fini les mégalithes, tout ça. Celle-là, je peux la supprimer, il n'y a plus d'armes dans le coin, donc... La pierre, c'est toujours pas ça. Une fois qu'on aura beaucoup de pierres, on pourra améliorer nos murs. Ha ha. La place pour 23 personnes, ça va. Pour les animaux, on manque de place comme d'habitude. Allez, je remets une petite écurie. Bon, les mégalithes, ça approche ou pas là? Ça essaie d'approcher. Ok. Là, on fait la course, hein, c'est Mario Kart. Ouais, alors lui. C'est bien sympa, mais à mon avis. Il y a des mecs qui vont crever en essayant d'aller les chercher. Quatrième. Un peu plus proche. Ok. Ils sont tellement loin tous. Non, regarde, il y en a qui est pas trop loin celui-là. J'ai encore perdu le village. Voilà, entrée, c'est très bien.
On centre. Bon, vous êtes prêts à l'automne? On y va. On récolte, hein? C'est important. Bon, la palissade elle est finie, ça c'est bien. Un tout petit coin mais ça va être fini là. Après tout ce qui est tour de défense. 5 nouveaux humains, super. Ça va aider. Tout ce qui est tour de défense, forcément ça va prendre du temps parce qu'on a besoin de beaucoup de métal. Et on en manque. On a bien une mine de fer dans le coin quand même. Oui, oui, tout à fait. Marchand. Tiens, il vend du fer, j'en prendrais bien. Pilier de pierre. J'aurai jamais assez de thunes. Bon déjà. Ouais non j'aurai jamais assez de thunes. On est un peu short en nourriture. Hein? Faudra y aller sur la récolte. Bas fourneau. Voilà, fer. Parce que le charbon, on est bon, hein, ouais. Arrêtez de mourir comme ça. Pourquoi les gens sont pas contents? Ah, ils seront contents quand ils auront tout leur, toutes leurs pierres là. La soif, est-ce qu'il y a... est-ce que j'ai remis un puits dans le coin? Oui, il y en a un là. Peut-être en mettre un ici quand même. Hein. C'est pas dans le stockage. Production. Là. Oui, je sais, la nourriture là ça commence à... Bon, il reste de la viande quand même, donc ça va. Allez, on récolte.
Il nous faut la masse de céréales. Oh là 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 là, mais ils se reproduisent à une vitesse. 136 cochons. Mais c'est une blague. Mais voilà, il est là le problème. 136 cochons, non mais ça va pas du tout. Désolé, mais pas les jeunes évidemment. Voilà. Ça fera de la viande. Ah, des choix un cochon. Hop. 136 cochons. C'est cochon lent, j'en ai même pas rendu compte. Allez-y à récolter. Ça y est, ça commence. Voilà. J'arrive pas à le sélectionner, lui il a de la chance. Regardez-moi ça! Allez, récoltez là aussi, récoltez. Voilà. 134, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont morts depuis. Hein. Non, c'est une jeune celle-là. Ça, ils ont trop de boulot, les gens. Faire du pain, c'est bien, mais il faut récolter surtout. Récoltons. On a la moitié du temps là, regardez. Tous les champs qui restent là. Oh, vous êtes pas possible, hein. Bon, ok, j'aurais donné du boulot avec les histoires des cochons, mais quand même. De toute façon, ça fera de la viande, donc ça va, mais. Mais quand même. Et justement, si on veut faire du pain, il faut récolter. Allez.
Laisse tomber là les champs, bon sang. On a presque plus de couteaux maintenant. Mais les pioches, c'est pareil. Forge, là c'est pas activé. Voilà, production continue. Oh super, j'ai 28 moutons malades maintenant. J'ai combien de moutons au total? 46. Allez, la récolter un petit peu quand même. Ah non, mais c'est terrible. Les automnes. Puis pas de pioche, ça veut dire qu'on peut pas aller s'occuper de. Problème de production d'outils. Voilà, il est là le souci. Faut revenir à des outils plus simples. Alors attends. Tisseur, maisonnette, blablabla. Avant la forge, c'est quoi? C'est l'atelier. Donc on va laisser cette production d'outils pourrie. Je vais devoir refaire un établi d'artisanat. Hein. Voilà, c'est l'hiver. Pas grand chose en bouffe. Que ce soit pour les animaux ou pour nous. Cinq moutons sont morts. Bon, écoute, ça fera de la place. Ah, ils ont fini le dolmen. Elle dort ou... Non. On apporte les cadavres maintenant, bah écoute, très bien.
Pour l'enterrer sous le dolmen. Ça va. Il y a moins de taf en hiver, faut quand même planter, mais ça devrait aller. Oui, les couteaux, les pioches, tout ça, c'est la merde. Ça veut dire plus de pierre, ça veut dire plus de fer, enfin c'est n'importe quoi. Bon, la viande, ça va. Avec tous les cochons là. Où est-ce qu'il y en a encore? 114, non mais c'est pas possible, j'en ai 114. Ça déborderait de cochons. Jeune mâle, vieux mâle, le mouton là. Faut le tondre. Bon, là, ils sont rentrés de toute façon, donc c'est aussi pour ça. Bah oui, il crève de faim. Quand il est pas con, il est rentré, il est sorti aussitôt. Enfin, il est sorti, il est rentré aussitôt plutôt. Laissez lui le petit haut. Mais je vous fais des ponts, qu'est-ce que vous traversez l'eau glaciale comme ça? Finissez-moi ça, s'il vous plaît. Alors, j'ai plus de bûches. Est-ce que je les retire à un endroit, les bûches? Non, c'est bien ça, c'est bien ça. Pour ça que j'ai plus de bûches. Allez. C'est pour ça que cet atelier met du temps. Mais je sais, y a plus de paille. Y a plus de paille, y a plus de couteau, y a plus rien de toute façon là.
Qu'est-ce que tu vas me proposer? Je vais prendre le fer. Lance. Des pioches. Ce sera toujours utile. Cochon, non. Clairement. Clairement, non, cochon. Et des couteaux, oui, tiens. Ah! C'est autant que si je prenais une. Une techno, quoi. Ok. Bon, des os, je vais en avoir aussi. Avec les cochons. Hein? En valeur? Sérieusement. La tenue a moins de valeur que le tissu, quoi. Voilà. Allez, Marouk, là. File. Première tour de garde. Bravo. Je vérifie toujours qu'on a la bonne vitesse. Hein. Bon, dès que les cochons y sortent, pouf! Voilà, millième peau brute. On fera de la place comme ça. 100%, ça va. Au niveau des tâches, c'est équilibré. On peut encore diminuer, mais bon. Faut de la croissance, là. Prestige. Enfin, très bon bien-être, faut augmenter le prestige, quoi. Des moutons qui meurent de faim. Non mais la paille, oui, bah, ça j'ai vu que c'était la catastrophe. De toute façon, les récoltes... J'ai plus que 5 vaches. Ça va pas. Ça ne va pas. Cochon qui meurt de faim. J'en rattrape, mais bon. Là, en hiver, de toute façon, on verra pas d'animaux sauvages. Faut rééquilibrer, là. C'est bordel. Trop de cochons, quoi. Pas de vaches. Faut que les vaches résistent. Bon, elles sont en forme. C'est un cheval. C'est bientôt le printemps. Allez. Pour aller brouter l'herbe fraîche.
Voilà, là les animaux, c'est équilibré. Alors, hop, un cochon. Désolé, mais il faut continuer avec les cochons. 85, c'est encore beaucoup. Cinq centième pierre. Bah les couteaux, ça va, j'en ai racheté là, dites donc. Et puis il faut planter, et cette fois-ci, il faudra récolter quand même. En viande, on est bon, hein. Les séchoirs sont pleins. Planquez-vous les cochons, hein. Moi je passe, je fais le ménage. C'est vrai qu'il y en a partout, quoi. J'ai plus de cochons que de villageois. Charbon de bois, ça me fait 12 points du coup. Alors, grenier sur pilier, extraction minière profonde. Pas mal ça. Pour faire la mine de fer profonde. Voilà. J'avais pas trouvé notre mine de fer. Quatre nouveaux humains. Séchoir à viande. Voilà. Ah, c'est dommage, ça aurait fait joli là. Je peux en mettre un comme ça. Oui. J'ai envie. Il y avait un mur qui me résistait. Je vais changer mes portes aussi. Cent4%, tout va bien. Ils vont exploser, les mecs. Non mais ça va, vous avez le temps. Ah, c'est pas les bons outils.
Oh là là. Tant pis. Construire production. Donc c'est pas l'atelier. C'est métallurgie. Voilà, outil en cuivre et en bronze. Atelier de métallurgie. Alors, cochon 78, il y en a encore. Bon, après, il y en a encore plein tués là. Ah, déjà plus de pain. Pouh. Non, ça va, grâce au bœuf, on s'en sort bien. Plus de 4, ouais, mais alors attends. Faut que j'en chope quand même. Alors. Sanglier. C'est un peu loin quand même. Tant pis. Pas un seul. Cheval féral. J'en ai pas encore battu, je crois. Des ânes, des cerfs. Ah, là. Bouquetins. Oh non, c'est des bouquetins. Auroch, jeune femelle, jeune mâle, jeune mâle. Des bisons, j'en ai déjà. Attends. Bison. Palier, c'est pas ça. Autre. Activité graphique, structure. Ah! Avancement de la connaissance, voilà. Animaux, bison, 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 bison. Le cheval féral 0. Bison 1 sur 5. Allez. Voilà. Je vous ai donné du taf. Mais ça nous rapportait des points de connaissance, tout ça. Pour une fois, j'ai beaucoup de pierres d'ailleurs.
Y'a plus de fer? Sans blague. Sans blague. Non mais c'est pourri. Ah, là. Ça va revenir, ça va revenir. Il faut quand même l'autre truc du coup. Un four à braise. Pour l'instant, on peut pas se reposer uniquement sur... sur le fer. On manque de paille, évidemment. Ça va pousser, c'est l'été. Regardez, ça pousse. Je vais sûrement pas vite. Hop, on va bien pousser là. Oh non, le bison a tué un chien. Sale bête. T'es armé au moins avec une faucille. Tu vas te changer. Oui, c'est bien le moment, tiens. Champion les chasseurs. Le marchand il vient souvent. Pas le moment, il n'y a pas de téléphone dans la préhistoire. Je rappellerai après. Alors, le marchand. L'énergie hydraulique, oui, ça me tente. Fer. Non mais ça je pourrais jamais. Qu'est-ce que je peux vous donner? ?704, mais comment tu arrives à 704? Allez. Regardez comme c'est joli. Bah ouais, c'est moins facile à tuer, ça c'est sûr. Mais
Là, on a tué, hein. Surtout, chopez-moi les petites vaches, là. Les vachettes. Franchement, avec toute cette pierre... Enfin non, donne pas trop de boulot, donne pas trop de boulot, on fera ça en hiver, on aura le temps. Déjà ils ont même pas fini avec mes cochons. J'ai plus que 4 chevaux aussi. Je les fais trop bosser. Ils perdent en efficacité du coup. Prenez-en de la graine, cher ami manager. Ah oui, j'avais dit que j'avais planté des noix. Châtaignier. Voilà. Première fois qu'on chasse un cheval féral. Les noix, c'est bien, ça se conserve. Personne veut faire mon four à braise là. Allez, le cercle, on l'a presque. Comment ça se passe la chasse au bison? Je sais plus où ils étaient. Bah ils ont abandonné ou quoi? Et ramener mes vaches tout ça. Et mes chevaux. Ah ça approche. Ah non d'accord, elle était pas finie cette mine profonde. On a là aussi à faire, hein. Alors, maximum 40. Et là, je suis à 56. Va comprendre. Ils poussent mes châtaigniers là. Est-ce que ça pousse? Bon, pour semer comme d'habitude pas de problème. Alors là pour récolter comme d'habitude on aura des problèmes.
Il me reste des chiens quand même, j'ai l'impression qu'on n'a plus beaucoup. La pierre c'est bon en fait, je sais pas pourquoi tu veux en refaire. Ah, première porte renforcée terminée. Parfait. Fait des bonnes affaires. La hache, bon, faucille, oui. Couteau. Pioche. Je vais pas donner de la pierre quand même. Je vais être à court de. Je vais être à court d'un moment quand même. Je donne un peu de canne à pêche. Normalement, je devrais utiliser des nasses en plus. Voilà. Faire des meilleurs boucliers, les mecs, hein. Voilà, cinquième bison. Regarde, j'ai encore des chiens, ils étaient partis à la chasse. Il y en a un qui est mort de faim. Ah mais sur le chemin, oui. Oui bah ça arrive sur le chemin, oui. Il était loin. Allez. Voilà. Première mine profonde de fer. 314, oh bah ça va. C'est un bébé. J'ai décimé un troupeau de bisons. Faut récolter la viande maintenant. Hein. Ça pousse pas du tout les châtaigniers là. Trop de boulot, trop de boulot. Bah oui, bah en plus c'est. C'est l'automne. Je vous donne pas plus de taf. Vous en avez déjà bien assez.
Vous devriez courir pour récolter là en fait. Tempête. Voilà, fais juste du bronze et on fera des outils en bronze encore. Parfait. Ça avance vite, dis donc les. Les gens rejoignent rapidement. Acheter des résidences hein, parce que faut qu'on continue à être attractif. Allez là, go la paille. Si t'as faim, tu vas manger en fait. Voilà. Ouais, beaucoup de zones crues. Vous êtes pas du tout bon là. Vous êtes pas du tout bon. Encore une fois, à la méga ramasse. Peut-être pas des épées. Bon, je sais pas, faites ce que vous voulez. Si t'as soif, tu vas boire. T'as soif et t'as faim, qu'est-ce que tu fous là? Pas de vêtements chauds, on va t'en faire. Allez, c'est très bien. Après, vous faites de l'autre boulot là. Je sais que c'est important d'apporter les mégalithes, mais c'est encore plus important de s'occuper. Voilà, parfait. Des champs. Encore moins récolté que la fois dernière. Alors là, c'est la bérésina. Je suis catastrophé.
Ah non, mais c'est nullissime là. Les animaux, ils vont crever comme des merdes. Zéro paille. On pourra pas dire qu'on est sur la paille, on n'aura pas de paille. Eh ben, il va être sympa l'hiver. Bon, bah en tout cas, ce sera pour le prochain épisode. On aura un hiver douloureux, rigoureux, sans nourriture, sans récolte, parce que les gens ne veulent pas s'en occuper, donc définir. Écoute, apparemment, ils n'arrivent pas à comprendre que ça c'est important. Donc voilà. Écoutez. Oh, puis, ça fait un champ par champ, ça va être compliqué quand même. S'il ne peut pas tout prendre d'un coup, ce sera un peu compliqué. Bon. Ok, comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez. On se retrouve bientôt pour la suite de Dawn of Man. On croise les doigts pour essayer de passer l'hiver, mais là, ça va être compliqué. Allez, ciao!